El Flaco, je peux voir une vidéo de toi vu que je ne connais pas ta chaîne. J'aimerais bien voir une vidéo de toi. Ouais, tranquille, mais à part ça, mets des écouteurs ou un casque parce que j'aime pas qu'on regarde mes vidéos et que j'entende ma voix et tout. Tu vois ce que je veux dire, cousin? Bien évidemment que je mettrai des écouteurs ou des casques, je sais. Je te comprends que ça peut te déranger, bien évidemment. Je veux dire, cousin. Donc. Eh bien, salut tout le monde, c'est Dany pour une. Eh, t'étais plutôt mignon avant, hein. Oh grand culé, pourquoi t'as mis cette vidéo, gros? Oh, c'est bon, c'était juste pour rigoler un petit peu, je voulais un peu plus apprendre sur toi. Oh, par ça, jeune homme, tu as combien d'abonnés? Oh, félicitations, vous avez pile poil le 9000 abonnés. Pourquoi tu mens, mec? Je gagne vite fait un abonné par jour, comme si j'aurais 9000 abonnés maintenant. Ah si si, vous avez 9000 abonnés, je ne suis pas myope, je porte des lunettes, connard. J'aurais reçu une notification sur mon téléphone de Claudio et tout le monde qui m'aurait dit GG et tout. Oh, 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 je vous arrête. Là, vous êtes tous en train de vous dire c'est quoi cette introduction de merde. Vous avez pas tort, c'est une intro de merde, mais faut connaître la tradition. Je pense qu'il y a que 5% de vous qui connaissez la tradition. Donc la tradition, c'est chaque palier important, on doit faire une intro gênante de merde. Étant donné qu'il est 15h02 et on est le 11 mars 2018 et que je dois sortir cette vidéo plus tard à 18h30, je dois me permettre à faire un truc de merde. Ok les gars, on est juste pour vous dire 9000 sur la chaîne. 9000 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner. Vous êtes en train de vous dire, mais 9000 abonnés, ça pue la merde. Peut-être pour vous, mais pour moi, c'est un grand chiffre important pour moi. Cette vidéo, je vais improviser, je vais dire tout ce que je dois dire. En tout premier, je dois vous remercier, vous qui vous êtes abonné à cette chaîne. Et je tiens à remercier mes potes, ma team et tout. Il n'y a pas vraiment d'ordre de qui je préfère d'entre eux parce que c'est tous des frères. Et quand on a tous des frères, on n'a pas de préférence. Je vais commencer par Claudio parce qu'il a une chaîne YouTube. Je l'ai connu grâce à GTA 5, j'allais le troll et j'ai appris qu'il habitait dans ma ville et on est devenus potes et voire putain de potes maintenant. Tous les gars, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait des lives, Fortnite. Il a commencé il n'y a pas longtemps. Il avait arrêté parce qu'il avait plus la motif. Du coup, allez tous vous abonner. On veut atteindre les 50 abonnés pour sa chaîne aujourd'hui. Ensuite on a Saïl que j'ai connu grâce à son cousin. Vraiment merci frérot. Ensuite on a Noah, j'ai connu grâce à Claudio. Les bons délires alias la gloire de Jérusalem. Je veux encore parler de Phoenix 4K, un pote à moi que je connais depuis mes 5 ans. Il s'est lancé sur YouTube en même temps que moi. Et que là il faut ses 100 abonnés les gars. On veut 100 abonnés pour sa chaîne. Il fait des fini moments sur Rainbow Six Siege, GTA 5. Je tiens aussi à remercier The Skiller, bien évidemment. The Skiller qui est là depuis mes 200 abonnés et qui m'a jamais abandonné, mais vraiment jamais. Je tiens à remercier aussi Raiki et Yann, ce que j'ai connu cette année-là, en tout cas en 2017. Je remercie aussi Pollux, que je l'ai connu grâce à un problème avec mon logiciel de montage. On est devenu super potes. Je vais pas dire tous les noms, là je parle juste des personnes avec qui je suis vraiment en ce moment très très souvent. Les 9000 abonnés, que représente pour moi? Alors faut savoir que les 9000 abonnés, c'est un grand chiffre pour moi parce qu'on est à ça d'atteindre les 10000 abonnés. Et ceux qui me connaissent depuis très longtemps, etc., doivent savoir que les 10000 abonnés a toujours été ma priorité, ma plus grande priorité. Faut vraiment que je sois vraiment à fond, parce qu'à partir des 10000 abonnés, je peux pas vous dire comment une motivation peut arriver. Je peux me dire, je peux être content de peut-être pas gagner beaucoup d'abonnés, mais de faire ce que j'aime et de faire le moins de putaclic, le moins de vidéos cancer possible. Donc hier j'étais en live, on a passé les 9000 hier en live. Bon, après j'ai perdu genre 7 abonnés, du coup on était plus 9000, du coup je les ai eus durant la nuit. Mais ça change rien, merci quand même. Certes, je me rappelle au début de ma chaîne, il y avait du monde qui soutenait de ma gueule. C'était assez difficile pour moi de continuer, mais c'est pas ça qui m'a permis de m'arrêter. C'est au contraire, à cause de toutes ces critiques, je voulais montrer qui j'étais un petit peu. Malgré que maintenant j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés actifs, ça me fait une mauvaise image de moi à l'école. Certes, 2017, 2018 ont été pour le moment les pires années sur YouTube pour moi, mais c'est de ma faute. Vous allez me dire, pourquoi c'est de ta faute? Je me donne pas à fond pour mes vidéos depuis que j'ai pas d'actifs. En 2016-2015 ont été des périodes incroyables car je gagnais genre 50 abonnés par jour. Je faisais des lives, on était 40 viewers. Certes, ça motivait à faire plus de vidéos, mais faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais pas encore au lycée. Du coup, j'avais encore du temps. Maintenant que je suis au lycée, j'ai plus trop le temps. Donc là, il me manque pile poil 1000 abonnés pour atteindre les 10000 abonnés. Donc là, pour cette dernière ligne droite, j'aimerais faire du lourd, vraiment me donner à fond et montrer vraiment qui je suis, si j'ai le temps. Je remercie aussi aux 2-3 personnes qui partagent toujours mes vidéos, comme Bilal, The Skiller, etc. Merci les gars. Merci pour tout, parce que c'est grâce à vous que je peux avancer. Les autres, si vous voulez m'aider à avancer, n'hésitez pas aussi à partager. Donc comme je l'ai dit, pour les 10000 abonnés et tout ça, j'aimerais bien faire un court-métrage. Pas comme le court-métrage d'avant, là non, là c'était fait exprès que ça soit vraiment de la merde. Et je rigole pas. Vous-même, vous pouvez le savoir en regardant mes autres vidéos remerciements. Deuxièmement, j'aimerais faire des vidéos qui marchent, mais en faisant ce que j'aime. Terso, j'aimerais prendre du plaisir, juste du plaisir. Et l'objectif numéro 1, c'est pas d'atteindre les 10000 abonnés, c'est d'atteindre les abonnés actifs, les amener vers moi et qu'ils s'attachent à moi. Et je sais pas vraiment quoi faire, parce que je sais que les trucs cancer et tout ça, ça marche bien, mais ça m'intéresse pas du tout. Donc les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Road to 10000 abonnés, les gars, 10000 abonnés. Pour que j'atteigne ce nombre, n'hésitez pas à partager ma chaîne à un de vos potes. Quand je vous dis, je vous revaudrai ça. Du coup les gars, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et road to 10000 abonnés.